retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel pour World of Warcraft. Alors maintenant vous avez installé le jeu, vous avez choisi votre serveur, mais maintenant il est temps de créer votre personnage. Et avant toute chose, avant de choisir votre personnage, il faut choisir votre faction. Alors soit vous pouvez jouer la Horde ou les Misérables de l'Alliance. Dans ce cas-là, je ne vous aiderai plus à l'avenir. Passez votre chemin. Donc vous avez compris, vous devez créer un personnage de la Horde. Donc là après, plein de choix vous s'offrent à vous au niveau des choix des races. Donc soit vous avez des orques, des morts vivants, les taurennes, les trolls, les elfes de sang, les gobelins. Et si éventuellement vous avez envie de jouer de la membre de l'Alliance, je comprends pas pourquoi, mais pourquoi pas, éventuellement. Donc là, vous aurez le choix entre les humaines, complètement dégueulasses, les humains, les nains qui ne sont pas mieux, les elfes de la nuit, totalement dégueulasses, les gnomes totalement immondes, les Draenei, j'en parle pas, et les Worgen, non plus. Et vous avez le choix également avec les Pandaren. Les Pandaren, donc, qui peuvent être joués par les deux factions, et vous choisirez votre faction à la fin d'une série de quêtes. Et donc là, vous choisirez la Horde, bien entendu. Et bien sûr, vous pouvez jouer soit un membre de la Horde homme ou femme, voilà, ou de l'Alliance éventuellement. Bon, ils sont pas plus beaux en homme, hein, les membres de l'Alliance. Voilà, voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez choisi votre classe, il faudra que vous choisissiez votre race, pardon, il faudra que vous choisissiez une classe en rapport tout simplement avec la race. Par exemple, l'orque ne peut pas jouer paladin. Si vous voulez jouer paladin, il faudra par exemple se rapprocher soit du tauren, soit de l'œuf de sang. Et côté alliance, donc l'humain peut jouer paladin, le nain et les draenei. Donc vous voyez, par exemple, le Draenei, lui, ne peut pas jouer le voleur. Donc il faudra vraiment choisir la classe qui correspond à la bonne race. Voilà. Je reviendrai plus tard sur des différentes autres vidéos sur une explication des différentes classes, avec les différentes spé, etc. etc. Donc, une fois que vous avez choisi, par exemple, un orc qui jouera guerrier, voilà, vous pouvez donc choisir tout simplement après son apparence. Donc sa couleur de peau, la tronche qu'il a, sa coiffure, voilà, la couleur de ses cheveux, voilà, et si vous voulez mettre de la barbe ou pas. Et ensuite vous pouvez tout simplement le nommer. Donc là je le nomme Kelreborn. C'est un guerrier, donc orc, côté horde. Et une fois que vous aurez créé donc ce personnage, vous arriverez sur cette fenêtre et vous n'aurez plus qu'à lancer le jeu. Et on se retrouvera sur une prochaine vidéo pour commencer tout simplement à monter donc le guerrier. Et je vous expliquerai les premières choses, donc les quêtes, etc. etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dès demain pour la suite. Salut YouTube !